Il faut arrêter de se dire que c'est pas grave parce que c'est grave. La force de la France, c'est justement la diversité de sa population. De tout temps, il y a eu des discriminations. Comme dit Cabrel, de toute façon, on ne t'aime pas quand tu t'appelles Saïd Mohamed. Ça nous concerne parce qu'on discrimine tous un peu sans le savoir. Il y a des discriminations en fonction des âges, des sexes, de la couleur de peau, du physique. On ne peut pas imaginer le mal que ça fait tant qu'on n'a pas été victime. Quand même, la discrimination la plus importante, ça reste celle de la couleur de peau. On est des milliards à subir tout ça tous les jours. Tant qu'on aura peur de l'autre, de celui qui est différent, on discriminera. Quand on est femme, il y a un problème de femme et d'âge. Et si on est maghrébine, il y a un problème d'origine qui se rajoute. Oh, tu la vois l'égalité. En France, une femme noire ou maghrébine de plus de 40 ans, elle est foutue quoi. De toute façon, tout le monde s'en fout. Vous voulez que je vous dise, c'est pas de mal avec, ça changera. Cette humanité, je souhaite simplement que ce soit par dans l'ardeur, la conviction, l'enthousiasme, la volonté de faire avancer concrètement les choses dans la confrontation positive des idées et des pratiques qui nous animent tout au long de ces deux jours. Et pour cela, il nous faut de l'audace. De l'audace pour dire ce qui doit être entendu. De l'audace. Il faut qu'on arrive à être entendu. En quelques années, la lutte contre la discrimination a changé de visage. Combien de fois dit-on comme pour bien marquer l'illégitimité de ma présence en France, retour dans ton pays. Ceux qui veulent changer les comportements. L'État se doit d'être exemplaire et irréprochable. Mon voisin s'est fait cambrioler et la première personne qu'ils ont pu voir, c'est moi. Donc ça doit être sanctionné et non pas aménagé. Ayons de l'audace, des places de discrimination, tous ensemble, j'en ai eu. Après. N'ayons pas peur de la diversité. Ensemble, faisons la différence.